Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais faire une vidéo très courte aujourd'hui. Je voudrais vous parler un peu du concept de donner et de recevoir, essayer de le déconstruire un petit peu. Je me souviens, il y a quelques temps, je retrouvais un ami dans un café à Séville et il voulait payer en fait. Et je lui ai dit, mais non, mais tu payes souvent, etc. Il m'avait répondu, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose pour moi avant. Et je trouvais que c'était très intéressant en fait de se dire que on n'est pas obligé toujours d'être dans une relation duelle où quelqu'un nous donne, on doit redonner, etc. Et on a cette possibilité aussi de voir les choses autrement et de se dire que on fait un geste. Alors je ne parle pas forcément de matériel, pas forcément de payer, pas forcément de donner un cadeau. Ça peut aussi être rendre un service ou ça peut être aussi transmettre des savoirs, des compétences, etc. Et de se dire que on n'a pas forcément besoin que cette personne en face, elle nous redonne quelque chose en échange, mais de se dire peut-être que cette personne, elle pourra aller donner soit la même chose, soit quelque chose de différent à une autre personne et ainsi de suite. Et essayer de se dire que finalement, on est un peu tous connectés et en fait, tous les actes que l'on décide d'accomplir au moins un impact en fait sur les autres et comme ça, si on décide d'avoir des actes qui sont bénéfiques pour les autres, on peut se dire que la personne de nouveau se dira ok moi aussi je vais aller accomplir quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique pour quelqu'un d'autre, etc. C'est comme un cercle plus grand en fait où on n'est pas juste dans une relation duelle où tu me donnes, je te rends. Évidemment, si on nous prête quelque chose, faut le rendre. C'est pas ça que je veux dire. Et on peut avoir le plaisir de refaire un cadeau, d'avoir une attention pour la même personne. Bien sûr, et c'est super, mais c'est intéressant aussi, je pense, d'ouvrir en fait ces notions-là à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui sera positif en fait à une plus grande échelle. Voilà, c'était la pensée du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Activez la cloche si vous avez envie de recevoir des notifications, etc. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.